Moi ? De quoi tu parles ? Okay. Du paquet qui t'a fait triper ta poitrine en moins de 30 secondes. Clémence, range ta chambre ! Maman ! Ah mais Clémence, mais range ta chambre ! Oui maman ! Oh non mais Clémence, mais tu vas ranger ta chambre ? Oui ! J'en ai marre, ma mère elle est vraiment relou. Elle est toujours derrière moi, elle me laisse aucune liberté. Mais elle exagère tout, c'est gonflant. Clem, t'as des devoirs, notamment cette télé. Non. Oh. Confisqué, c'est relou. Vas-y. Re-confisqué, mais arrête. Oh non, y'a plus de batterie. Oh non, s'il te plaît, maman, c'est une torture, je t'en supplie. Oh non, je vais mourir, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. Ma mère, c'est pire qu'un gardien de prison. Aucune issue. Maman. Il est 5h. On avait dit 1h30. J'ai cru que t'étais morte. File dans ta chambre, tu vas me payer. Là, tu t'en sortiras pas indemne, non. Allez, file. Va-t'en. Oh purée, c'est chaud pour moi. Là, c'est sûr, elle va me tuer. Je vais plus rester là. Faut faire quelque chose, là, faut trouver une solution. Faut que je parte. La carte d'identité de maman, ça peut toujours servir. Et le jackpot. Oh, il y a ce déchet. Je vais me gaver. Alors, prête pour la punition du siècle ? Clémence ? Clémence ? Ah, tu te caches, hein ? T'as peur ? Ah, tu as peur ? Clémence ? Clémence ? Clémence ? Clémence ? Clémence ? Clémence ? Clémence, t'es aux toilettes ? Non, personne. Clem ! Mais elle est où ? Bonjour, vous êtes bien chez Annie Cacherie, excuse-moi. Allô, Manon ? Est-ce que t'aurais vu Clémence par hasard parce que je la trouve plus ? Non ? Ok, ouais, ça est aussi de ton côté. Ça marche. À tout à l'heure. Ouais. Ah ok, bah merci pour l'info. Tu lui dis rien du tout, s'il te plaît. Ouais, tu dis rien, hein. Pas d'infos et tout. Ok, merci. Bon, allez, bye. Monsieur le gendarme, faites quelque chose, c'est toute ma vie, ma Clémence, c'est toute ma vie. Je regrette tellement d'avoir été sur son dos, je suis sûre qu'on l'a kidnappé. Qu'elle est dans les pays de l'Est à l'heure actuelle. Alors, une bière, s'il vous plaît. Voilà, c'est 18 ans. J'ai l'air si jeune ou quoi ?
C'est maman. S'il te plaît, reviens. Je m'inquiète. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Je t'ai donné tant pis. Je voulais le meilleur pour toi. C'était pas pour t'embêter. Je t'en prie, je t'aime. Rentre à la maison. Allô, maman, c'est moi. Mais Clem, mais t'es où? On t'a enlevé, torturé. On m'en est de rançon, je suis là, je suis prête à tout. Mais non, on commence pas. J'étais juste partie parce que... En fait, c'est pas si facile. Je pensais que j'allais te plus sans toi, mais non. Je me suis trompée. Tu me manques. Viens me chercher, s'il te plaît. Mais bien sûr, mais t'es où? C'est là où le voisin il a récupéré Hugo pour la fugue numéro 1. Ok, j'arrive tout de suite, ne bouge pas, surtout ne bouge pas, j'arrive. C'est vrai que d'avoir une ado, c'est beaucoup d'inquiétude. On a toujours peur que tu prennes la mauvaise voie, que tu tournes mal, qu'il t'arrive quelque chose. Tu comprends? Bah oui, je comprends, maman, mais maintenant je suis grande, j'aimerais que tu me fasses un peu plus confiance moi-même. Allez, Clem, on va essayer. On va trouver un équilibre. Bon, elle est pas méchante, ma mère. J'ai bien compris qu'elle me disputait pour mon bien. Mais bon, moi je suis une ado, j'ai besoin de m'amuser un peu. Mais la prochaine fois, je passerai l'aspi avant de demander une soirée. Bon, en fait, vous l'avez compris, hein, c'est pas ma fille, c'est ma nièce, Clémence, la fille de ma sœur. Elle est trop cool, ma tata. Oui, et elle est quand même un peu ado, ma nièce. Hein. On la félicite, hein, elle vient d'avoir son brevet. Bravo, applaudissez, ma nièce. Ouais, allez, te la raconte pas trop, hein. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit à tous les internautes? Abonnez-vous à la chaîne de ma tata. Et si vous n'avez pas vu la fugue 1 version enfant avec Hugo 5 ans, c'est ici. Cliquez sur cette vignette. Bye bye!